Parce qu'elle m'a reproché quoi? Elle m'a reproché qu'on l'a insulté dans mon live. Attends. Donc, si tu es en train de jouer le cinéma, moi je ne joue pas le cinéma. Moi, je ne parle pas. Bah oui. Donc, tu es en train de me dire que ma, il faut aller laisser comme t'insulte. Elle a laissé, mais elle aurait pu, parce qu'elle m'a reproché ça. Elle m'a dit que dans mes directs, on parlait mal d'elle. Je lui ai dit que dans ses directs. Mais oui, voilà, tu parles, dans tes directs, on insultait ma foi. Et dans tes directs, on n'insultait pas. Non, on n'a jamais insulté. C'est pas toi qui as détruit sa marque, laisse ça. Non. Tu veux parler de quoi? C'était à l'époque. Du Carmel, c'était à l'époque. À l'époque, hein. Et dans mes directs, c'était hier. Et toi, tes directs sont récents, c'est quoi ce truc? Mon frère, tu n'es pas plus intéressant quand tu méprises les autres. Non. Pardon, faisons nos commentaires. Je veux simplement te dire, du Carmel, ce que je veux simplement te dire. Tu as même dit quoi? Que toi, tu as détruit la marque de quelqu'un. Mettre ça au sol. C'est moi qui a détruit la marque. C'est moi qui a détruit la marque de Flob, c'est Patricia Mel. Et même DKM, là, c'est toi qui as participé à non, du ma marque. Mais tu faisais des fous. Du Carmel, non, on te dit une vérité. Toi, tu faisais quoi? Tu as fait ça avec l'étiquette, mon frère. Je veux même croire qu'il faisait des fautes. Si je fais des trucs. Du Carmel, je vais te dire quelque chose. Bon, il dit que tu es un gars, le sabotage, frère. Je vais te dire quelque chose. Du Carmel, je vais te dire. Tu n'as rien à me dire. Non, je vais te dire. Rien. Parlons de ton couple. Laisse les choses là, s'il te plaît. Ton couple est beau. Oui. Là, maintenant, tu t'as amené. Tu veux te justifier, tu veux te blanchir, non. Tu veux parler de bien. Parce que toi, si tu salis quelqu'un et toi, tu es bien, c'est bien. C'est ce non, du Carmel, je te salis. Mais tu prends une question. Je peux tourner la caméra. Je te montre où je commandais mes trucs, c'est en Italie. D'accord? C'est en Italie. Tourne la caméra. Voilà. Et si tu tournes la caméra, tu mets combien? Et arrête de salir les gens, frère. Tourne la caméra. Besoin de monter. Ouais, on est là, non? Non. Tourne la caméra. Tu sais. Ouais, laisse le renfort. Laisse Tanga. Tanga n'a rien à voir. Ne fais pas Tanga. Tanga, c'est mieux. Tanga n'a rien à voir. Tanga n'a rien à voir. Non. Je te pose une question. Oui. Tu as dit que tu commandes tes trucs en Italie, que tu peux te. Bah, tu commandais où? Ce n'est pas l'Angabassa qui avait la société où tu fabriquais tes trucs là-bas, qui te livrait. Et moi, j'ai refusé. Non. J'ai refusé qu'elle me serve. Non. Bah, tu commandais où? On a un grossiste. Tu n'as pas de grossiste. Tu travaillais, tu faisais ta main, tu m'as amené là-bas. Tu travaillais non, avec l'Angabassa qui a le truc à Emerville. Bon, est-ce que je peux parler? Il n'y a aucun de tes vêtements qui avait l'étiquette. Donc, ne me donne pas les sous, je peux habits. Parler. Mais c'est ton live, non, papa? Non, papa. Non, je ne veux pas que tu dises que je parle mal. Ce que je veux t'expliquer, c'est que moi, quand je commande chez la dame commande chez son grossiste. Je te rappelle que cette femme paie la moitié des marques maliennes et ivoiriennes, des grosses marques. Tu ne veux pas seulement leur faire leur pub. Il y a quelqu'un que tu connais qui fait ses marques. C'est vrai, il fait tout. Parce que la femme là, elle a un, et c'est un distributeur agréé, un distributeur. Je dois avoir le bord de l'album là, on appelle encore ça comment, le tout il y a son le catalogue, j'ai le catalogue de ça. Ce que je vais te reprocher du caméra. Non, tout ce qui est reproché en public, c'est le mépris. Tu ne veux pas me reprocher, tu veux me non, je te montrais. Ça ne marche pas, toi tu marches. Je te montrais, ce n'était pas un public. Non, tu ne me montrais rien du tout. Tu ne montrais rien du tout parce que... Tout ce que tu as pu faire, Donc, si tu comprends, mais tu me reproches que je te montre quelque chose et j'ai dit que je t'ai montré. Tu m'as montré. Et toi, tu es où avec? Où est-ce que tu es avec ça? Non. T'as l'intérieur là-bas? Non, ça, c'est moi qui mets ça. Yeah, enlève les oignons. Je t'en mets donc, ça veut dire que tu es en train de me reprocher. Oui, j'ai poussé peut-être, mais c'est pas... Bon, mets ça à l'intérieur. Attends, regarde, ouvre-tu le truc là. Mets ça là-dedans, oui. Du Carmel, donc tu me reproches que je t'ai montré comment on fait les vêtements et tu me reproches, tu as dit aux gens que je t'ai montré. Je te reproche de vivre par le mépris. Tu méprises les gens et tu te sens bien avec. C'est ça que je te reproche. Et tu es à l'aise quand tu méprises les autres. C'est de la pitié. Mépris, il est où juste? Dis-moi un peu où se trouve le mépris. Si moi, je t'amène les autres, dis-toi et explique ton problème. Non. Non, je n'ai pas dans l'ensemble parce que c'est lui qui a descendu la marque de Flo. Il sait. S'il avait Flo, il sait que c'est lui qui a. On connaît. Voilà. Et tu descendais, tu disais que c'était déconné. En fait, ta stratégie, en fait, c'est quoi? Chaque fois qu'un Camerounais, quand tu as un problème avec quelqu'un et que tu veux descendre la personne, tu es toujours en train de dire la qualité. Tu descendais ta marque parce que tu payais les trucs à Aubervilliers pour venir en France. Est-ce que une seule fois qu'il a acheté les choses? Je vais te rappeler quelque chose. Je te rappelle que c'est une Portugaise. Attends. C'est une Portugaise que tu connaissais qui a payé un vêtement chez toi.
Tu es venu me dire qu'elle a retrouvé les mêmes vêtements chez le chinois. Ah bon? Et je ah bon, quel portugais ça? Tu peux donner le nom? C'est une fille portugaise, elle était avant dans tes lives. Et même ma marque de vêtements a eu plus de succès que ce que tu as. Tu es jaloux. Il est vendu. Bah oui, tu as vendu à qui? Je vais te poser une question. Bah, tu as vendu à qui? Attends, non, je vais Tanga. Poser. Ne prends pas Tanga, n'est pas dans la décision. Oui. Est-ce que tu as une de laisse mes... Tanga. Laisse Tanga. Elle n'a rien à voir. Je ne cherche pas le renfort. Parle-moi. Tu es jaloux. Moi, j'ai vendu ça plus que toi. Tu as vendu mes armoires. Est-ce que tu as eu un de mes marques dans mes armoires? Tout. Eric, écoute ce que je vais te dire. J'ai vendu tout. Toi, tu as encore publié les photos. Si on ouvre tes armoires, tes vêtements sont là-bas dedans. Avec qui a produit tes trucs sur la toile? Qui? Mais oui. Ah, laisse ça. Mais oui, c'est tout, mon frère. Laisse ça. Que mais oui, mon frère. C'est pas de la toile, mon frère. J'ai vendu et j'ai vendu l'ensemble à 400 euros. Voyez mes vêtements. Méo a porté. Carice a porté. Carice a porté. Mets la photo. Mythoman. Laisse ça. Mais oui. En gros, ouais, laisse Tanga. Pourquoi tu vas les mentir? Oh, il veut le renforcer. Mon frère. Laisse Tanga. Laisse Tanga. N'a rien à voir dans la discussion. Tu viens de la connaître. Laisse ça. Laisse-la. Qui a porté tes trucs sur la toile? Tu dis que Carice a porté mes vêtements. La seule personne qui a porté tes trucs, c'est Saint-Jean-Nango. Et tu l'avais donné gratuitement. Tu dis que Méo a porté mes vêtements. Elle porte, mais oui, c'est qui, mon frère, toi aussi. Tu dis que. Méo, c'est sérieux, je t'avais. Non. Aussi galère la discussion des deux mecs, là. Laisse. Non, moi, je suis Méo, c'est qui. Mais ne dis pas que Méo, c'est qui, gars. Non, j'ai dit pas par rapport à la musique. Méo est venu me dire qu'Amé, je fais la promotion. Je te fais la promotion, mon frère. Amé, tu dis que. Amé, quand même, tu as vu 10 millions avec les yeux. Tu dis quoi? Tu as vu 10 millions avec les yeux. Tu me manques le respect. Parce que j'avais 10 millions avec les yeux. Je te pose une question. Est-ce que tu me manques le respect? Tu n'es pas mon grand frère. Tu es mon grand frère. Est-ce que tu as eu vu 10 millions avec les yeux? Je te pose une question. Est-ce que tu me manques le respect? Comment tu n'as pas répondu à ma question et je dois répondre à ta question? Est-ce que tu as vu 10 millions avec tes yeux? Je te pose une question. Est-ce que tu es en train de me manquer le respect ou je n'ai pas le cœur pour te manquer le respect? Je suis cool. Je te demande est-ce que tu as vu 10 millions avec les yeux? Du Kamé, moi, Kamé, tu me demandes si je n'ai pas vu 10 millions avec les yeux. Moi, Kamé. Dans un compte, tu as un compte qui a eu 10 millions un jour. Du Kamé, tu sais à qui tu parles même. Mon frère, à un boucantier. Un boucantier. Tu as eu un compte avec 10 millions. C'est moi que le gars se manque le respect. Tu as eu un compte avec 10 bâtons dans ton compte. Du Kamé, est-ce que tu sais qui tu es en train de parler? Quelqu'un qui est un gamer. Tu sais à qui tu es en train de parler? Avec Kamé, animons le love. Laissons les trucs à côté. Tu me demandes, moi, mais Kamé, s'il y a eu 10 millions sur mon compte. Tu es fou? Bon, frère. C'est quoi ça? Laisse l'argent en main. Laisse la photo, là, on connaît. C'est l'argent des Sim. C'était les contributions de Yami Ball. Il dit que, est-ce que tu as eu un compte? Il y a 70 millions. Laisse ça. Et je vais encore aller plus loin. Je vais te montrer mon wallet. Et je vais te montrer 5 bitcoins. Mais tu n'as jamais rencontré. Mais pareil que tu ne vas rien montrer. Tu vas embrouiller, tu ne vas pas montrer. Tu sais qu'un wallet, c'est quoi? Mais un wallet, c'est quoi? Tu parles des histoires de machin là. Comment on appelle ça? Les trucs que tu as pris là, les gens n'ont jamais vu l'argent. Les dollars, millions de autres. Les histoires de la fille de Limoges là, qui t'a envoyé 5 000 euros. Je répète après. Permets-moi de te dire ça. Je ne suis pas quelqu'un à qui tu vas sortir tes bluffs là. Parce que quand les gens t'ont envoyé les dos, c'est ça que tu as venu, tu montres aux gens. Oh. Pourquoi tu trembles? Je tremble comment? Répète après. Et que tu n'as pas un compte bancaire avec 10 millions dedans, ou jamais de ta vie. C'est comme 10 millions, c'est l'argent. Non, tu n'as pas. Tu n'as pas eu un compte avec 10 bâtons qui t'appartient. Jamais. Quelqu'un te parle qu'il a 5 bitcoins. Tu me parles de 10 millions. Le boucan, mon frère, toi aussi. Je viens de te montrer ce qui te fait mal. Attends, je montre la vie. Quand tu montres les dos des gens, mais les gens t'envoyaient les dos, non, man. Les dos, là, c'est les dos que les gens t'envoyaient, la fille de Limoges. Je viens de prendre ça. C'est là, des dollars millions d'or. Je viens de toi aussi. Voilà ça. Amé Kamé, tu as fait ton truc de Liam Iba. Les gens ne t'envoyaient pas l'argent. C'est là, des gens. Regarde. Montre un compte avec 10 bâtons. Tu m'as dit tout à l'heure que. Bon, voilà, je te. Petit, je vais te dire une chose, du Kamé. Non, il y a... Tu as créé une marque de vêtements où tu vendais seulement le faux. La preuve, c'est tombé. Je t'avais investi et ta marque de vêtements n'a pas été.
tu pensais qu'elle te mentait, ta marque de vêtements n'est jamais tombée. Et la tienne est où? Ta marque que tu vendais l'original est où? Toi qui vendais l'original, la tienne elle est où? Dis-moi un peu. J'ai plus le temps. Tu as le temps de Facebook. Parce que mon salaire, c'est Facebook. J'ai plus le temps. Facebook me rapporte près de 10 000 euros par mois. Ah, laisse le boucan là, mon frère. Il peut te mettre au domu. Il peut te mettre au domu. Laisse Tanga. Laisse Tanga. Non. Tanga n'a rien à voir. Nous sommes les hommes. Et tu n'as pas vu mes rues. Laisse Tanga. Laisse Tanga. Elle va dire oui. Elle ne peut pas, elle peut pas dire non. Tu parles quand, pas... c'est quand vous allez avoir les PB qu'elle va te dire non. Pour l'instant, ça va. Nous, on est deux. Voilà. Il n'y a pas qui. Mais toi, tu as vu les images. À l'époque, Modesty disait, elle disait la même chose que oui. Toi-même, tu as vu les chiffres là. Eric, il peut te mettre deux au mur là tout de suite. Je peux croire, parce qu'on a besoin d'abonnés. Bon, avec Eric, te pose une question. Alors, comme tu veux aussi, tu veux m'appeler. Eric, laisse la division des deux hommes. Supporte. Avec Eric, il te met deux au mur. Bon. Il y a un truc qu'on peut faire. Il y a un truc qu'on peut faire. Je t'ai montré comment on crée la marque. Tu allais faire les photos. Eric, laisse les trucs de marque. Mais vraiment, il travaille. Il ne compte pas sur ça. Il ne paye pas le loyer de ça. Bon, maintenant, tu vendais quoi? Voilà ce qu'on peut faire. Pour te prouver que tu n'es pas, que tu mens. Je sais que tu as tu go sur Facebook là, je go sur Facebook. Et dis bon maintenant, tu vas regarder. Nous sommes aujourd'hui, je sais pas quel jour. Tu regardes tes revenus Facebook, ça n'atteint pas 1000 euros. Là tout de suite. Ça tu regardes mes revenus Facebook, ça n'atteint pas 1000 euros. Ouais, tes revenus en ce moment n'atteignent pas colo. Dans les trucs de 10 000 euros là que tu racontes là, arrête d'encourager. Mon dernier salaire de Facebook, c'est 10 000 euros, monsieur. Tu ne veux pas aller démonétiser. Pourquoi tu veux qu'elle rapporte de l'argent? Elle est démonétisée, elle rapporte pas d'argent, c'est normal. Voilà. Donc, même 10 000 que tu n'as jamais eu 10 000. Je peux te montrer que je suis puissant sur Facebook. Malgré que la page ne me rapporte pas l'argent, ils m'ont laissé les étoiles. Ils ont laissé combien? Ils ont fermé les ce qui rapportait le plus. Ouais. Ils ont réduit ça en ce qui ne rapporte pas le plus. Tu as c'est même que je t'ai montré ça. Tu as quoi? Qu'est-ce que tu as à la monétisation par quoi? Des directs? Superposition des réels sur les réels ça paye mais non les réels ne me payent moi les réels ne me payent pas les publicités je te dis ce qu'il a comme machin comme monétisation la publicité sur les réels et les étoiles après ça dépend de la page les réels il faut dans les étoiles de 100 000 vues par 100 000 vues pour espérer avoir quand même quelque chose de l'étude de 100 000 par moi, 100 000 vues par vidéo. J'ai fait un avec mes réels. Du coup, je vais te dire quelque chose. Toi, tu es un petit. Donc, moi, 100 000, je l'ai fait avec mes réels. Moi, 100 000 vues. Non, j'ai pas parlé de j'ai pas parlé de ça. Il dit sur les réels. Oui. Pour avoir quand même. Ouais, mais du coup, c'est toi qui penses que 100 000 vues, c'est quelque chose. Moi, dans mes réels. J'ai pas dit ça, mais quand même, ne défends pas les propos. J'ai dit les réels pour espérer avoir quand même sur une vidéo monétisée en réel. Il faut avoir vraiment. Mais tu as posé, il faut être clair dans ce que tu poses comme question. Tu as posé une question. Quels sont les outils là encore de monétisation? Je te donnais les outils. Et tu dis que la page actuellement ne rapporte pas. Bah c'est normal puisqu'elle est démonétisée. Mais lui, il fait croire. Là, tu expliques très bien les choses, tu vois. Mais enfin, lui, c'est pourquoi il dit non, tu n'as pas la discussion. Laisse-moi le gérer parce que... La page est monétisée, il tourne autour de 10 000 par mois. C'est vrai, je les ai vus les chiffres. Ça, c'est vrai. Quand la page... Tu vas dire quoi qu'elle ne veut pas dire oui. Laisse-moi gérer. On a quelqu'un à plus de 200 000 abonnés et une autre page de 30 000 abonnés. Tu penses que tout ce qu'il dit... Moi, j'ai déjà fait des mois à plus de 5 000 euros. Donc, alors que moi, je n'ai pas 100 000 abonnés. Oshiga, j'ai une question. Donc, si j'ai déjà fait ça... Donc, ce qu'il dit... Tu penses que ce qu'il dit... Oshiga, tu poses une question. Donc, tu as vu les chiffres, je les ai vus. Tu penses pas une menteuse. Ok. Donc, tu penses que c'est tout ce qui. Le choc, c'est que tu sois choqué, alors que franchement, pour moi, 10 000 euros, c'est rien. Il y a comment 10 000 euros, c'est rien? Non, pour avoir 10 000 euros, il faut avoir une. Les réseaux sociaux. Mais 10 000 euros. Vous avez posté ce qu'elle avait gagné avec, comment il s'appelle, Bob Linon. En une vidéo. Pourquoi ça t'étonne, en fait? 10 000 euros, tu penses que c'est peu? 10 000 euros? C'est petit? Un nombre d'abonnés, un nombre de vues, franchement, c'est normal, c'est logique. Non, c'est pas 10 000 euros, c'est pas n'importe quoi, Oshiga. Il faut avoir quand même. C'est peut-être pour toi, parce que tu n'as pas les vues du Kamel, c'est ce qui est réel. Bah, avoir les vues ne veut pas forcément faire de l'argent, il faut avoir une page propre aussi. Hein. Là, il a les vues, il a beaucoup de visibilité. Ta page donc, est propre. Moi, actuellement, tu m'écoutes là. Ouais. Moi, actuellement, j'ai
les vidéos, la vidéo fait 200 dollars, la vidéo. La vidéo. 200 dollars, une vidéo qui fait combien de vues? 200 dollars, combien de vues à peu près? Les gars, du calme. Moins de 100 000 vues. Moins de 50 000 vues. Il y a ce qu'on appelle le RPM, le revenu par millier. Mm-hmm. Donc, plus ta page te porte bien, plus tes trucs, ta rémunération est élevée. Non. Voilà. Il y a un truc. Mboudman, regarde le tableau. Je regarde. Mboudman, regarde le tableau. Ils ont mis quoi ici? Monétisation limitée, ouais. Pour cause. C'est quoi l'infraction? Tu as fait quoi? Mais voilà, l'infraction qui est en bas, là. Ben voilà, on dit, tu as partagé un contenu. Manque d'originalité. Parce que je prenais mes contenus de la première page, je versais ça sur la deuxième page. Pourquoi tu faisais ça? Ils ont dit que c'est interdit. Bon, maintenant, ta monétisation. Malgré le fait, là, ils m'ont bloqué mon streaming. Ouais. Parce que c'est le streaming qui rapporte beaucoup de sous. Tu as vu maintenant. Donc, ils m'ont laissé l'identification, ils ont laissé ça. Ça, c'est la première page. La deuxième page, maintenant. On reprend les mêmes trucs sur la deuxième page. Sur la deuxième page, ils ont bloqué quoi? C'est marqué quoi ici? Ils ont bloqué. Mais tu as effacé la vidéo là ou pas? J'ai pas compris. La vidéo qui. Non, c'est ça, c'est la deuxième page. La vidéo là que tu avais partagée, tu as effacé ça. Quelle vidéo? La vidéo que tu avais partagée et puis t'ont bloqué. Et puis ton, ils non, ont c'est parce que je suis entré dans le panafricanisme qu'ils m'ont tout bloqué. Donc, du coup, j'ai supprimé toutes les vidéos du panafricanisme. Là, ils m'ont remis la page orange. Après, quand ça va passer vers, ça va se remettre. Voilà maintenant. Streaming est bloqué. Mes abonnements sont bloqués. Les étoiles sont bloquées. Par contre, je garde ça, je garde le reste. Quand je te dis que je fais un chiffre de 10 000 euros par mois, tu penses que je te vois. Montre-toi. Tu es sur les paiements, on peut voir. Non. Ok. Est-ce que c'est un truc que je cache? Bah, il sait que tu es en visibilité, personne. Là, tu es au top. Tu es du moins dans la visibilité. Non, ce n'est pas que je suis au top. Okay, je ne discute pas ça. Bon. Mais pourquoi tu es étonné alors? Pourquoi tu es étonné alors? Non, sur les 10 000. Sur les 10 000. Regarde. Pas 10 000. Pas 10 000. Il n'a pas les 10 000. Bah, voilà, c'est 1 000 là-bas. Mec, il n'y a pas 10 000 là-bas. Frère. Non, écoute bien, je t'ai dit qu'une seule page. Oui. Voilà. Là, on est sur une seule page. Attends, je vais te montrer. Comme tu aimes trop parler là, c'est combien là? Voilà, 5 000, oui. C'est combien là? Oui, ouais. Ça, c'est 5 000, sur une page. 5 000, 5 000. Deux pages. Ouais, ne discute pas. Attends, je te montre l'autre. Ne tremble même pas. C'est combien? 3 000. Mais ça, c'est un jeu. Non, ne tremble pas. Oh, ne tremble pas. Oh, petit, ne tremble pas. Ah, mon frère, c'est lui. Non, ne tremble pas, mon petit. Bablabang. C'est combien? Le milieu du juin, 400. Ça fait à combien? Tout à l'heure, à compter combien? Là, c'est le mois de juillet. Tu es à... Ouais, c'est le même mois. Petit, pourquoi tu es têtu comme ça? C'est le même mois. Tu aimes comment? Ben, vas-y. Tu vois que si c'est bon, je vais nier, mon frère. Combien? Attends, je vois ta tête. Pardon, viens voir. Viens faire une vidéo. Pardon, je vois ta tête. Pardon, viens faire une vidéo. Attends. Pardon, viens faire une vidéo. Gars, le mois de juillet a été bon pour toi. Viens faire une vidéo. Pardon, gars, tu as eu ça qu'en juillet. En juillet, tu as eu ça. Je confirme, tu as eu à peu près 10 000 en juillet. Non, je te dis, je suis bloqué depuis le mois de août. Non, viens pour voir ta tête. Pardon, montre la petite tête. Montre la petite tête. Non, mais. Oh, viens, amène ta tête ici. Oh, sérieusement. Regarde le bout de main. Non, tu as eu, je confirme. Ah, mais ça, c'est sans les étoiles, en passant. Non, mais c'est que les étoiles, c'est pas ton truc. Je sais. Sans les étoiles. Pardon, viens pour voir ta tête. J'ai envie de voir comment ta tête a gonflé. Non, mais gonflé comment? Je suis fier de toi, non, mon frère. Mon frère, fier ou petit, jaloux. Je suis ton formateur, non. Tu prends une fausse marque, tu viens annaquer les gens avec. Tu es jaloux de tous ceux qui réussissent. Voilà pourquoi ma foi, ton macabre. Ah bon? Donc, là, ton macabre, moi, c'est sûr que ça t'a fait mal. Tu trahis tout ce qui tourne autour de toi. Mais pourquoi tu es dans une dynamique de régler tes comptes inutiles? Je ne règle pas mes comptes. Pourquoi tu crois que tu peux me stresser comme ça? C'est à cause de toi que les donateurs ne veulent pas être visibles. Comment les donateurs? Attends un peu. Mais voilà Guylaine Chapu qui t'a fait dormir chez elle. Tu ne l'insultes pas, toi aussi. Je n'ai pas trahi Guylaine. Je ne pourrai jamais trahir Guylaine. Tu ne peux pas trahir Guylaine. Écoute-moi, des clashs. Je ne pourrai jamais trahir Guylaine. Guylaine, c'est comme ça. Il ne peut jamais. Amen. C'est bien ça. Si j'appelle Guylaine, elle dit ma chérie, c'est comment elle m'a dit que. Ta chérie, mon frère. Je ne peux pas appeler Guylaine en direct. Là. Tu écoutes comment on discute. Mon téléphone est là. Je ne peux pas appeler Guylaine. Appelle-voi. Elle ne prend pas. Moi, appelle Guylaine, ne prend pas. Elle ne prend pas. Hey. Attends. Ouais.
tu parles seulement. C'est-à-dire que je suis comme toi. Il y a un don que moi je connais, c'est garder mes amis. Ouais, on va chez la carte, elle veut plus, elle veut plus te rendre, elle veut plus jamais te rendre. Ouais, tu vas voir nos discussions. Attends, tu vas voir nos discussions. Non, c'est en train. Tu vas voir nos discussions. Toi, on t'a dit qu'on a des discussions, un genre là. Tu parles même de qui? Pardon, on n'est pas comme ça. Hein? C'est toi qui ne sais pas garder tes amis. Mais regarde pas les amis. Allô? Avec tous les secrets que tu m'as balancés sur les gars là, tu m'as. Allô, bro, ma chérie, c'est comment? Dis-lui que tu es en direct aussi. Non. Ok, attends d'abord. Dis que le prochain tube seulement. Tu vois, le tube, c'est mon gars là, non? Maman, il faut que tu nous boostes ça là-bas au pays. Comme tu connais beaucoup les gens là-bas dans les médias. Les médias, non. Mais c'est pas que je veux que tu me pousses la chanson là, pardon. Eh, qui tu en personne, non? Ma personne personnelle personnalisée. La carte de qui de Oshiga? Oui. C'est que c'est. Nous, on ne donne plus les choses que les gens mangent par terre. Non, je vais l'épouser. Eh, qui? Maman. Eh, qui? Je vais l'épouser. C'est vrai la paix là. Maman, c'est vrai, le feu sort. Il t'a dit, elle est forte. Hein? Mais moi, j'aime bien cette fille, hein? Je l'aime beaucoup, je l'aime bien. Ouais, il t'a dit. Il dit que, maman, là où tu es là, attends, le prochain morceau même. Tu vas voir. Pardon, je vais t'appeler tout à l'heure là. Pardon, tu me mets tes codes. C'est que les médias à Oumde, tu maîtrises. J'essaie de tourner mes mots, tout le monde oubliant que tu es. Maman, laisse le game qui me tue. Puis on a bloqué toutes mes pages là. Maman, c'est la magie. Je vois l'enfer seulement. Il était dit. Ah bon? Maman, non, c'est bloqué. Maman, attends, je vais te raconter ça. Donne-moi deux minutes, je finis. Je vais te raconter ça, maman. Ok, tout à l'heure alors. Ok, ça marche. Idiot, tu camais. Tu dis que quoi? Zikama a quitté le live. Il a fui. Okay. Ouais. Apprenez à garder vos relations. Zikama a quitté le live. Envoie l'invitation, mais il n'y a même pas honte. Et t'as dit que aussi, comment t'appeler? Et t'as dit que Guylaine, c'est comme mon sang. Moi, je dis que son fils m'aime bien, Loïc. Voilà. Il est tellement jaloux, hein. Il y a que moi, il me aime. Tu entends, non, Bopi? Il dit que Guylaine, c'est comme mon sang, là, peu. Mon sang. Mais du camel, ouais. Du camel, reviens, non? Ouais. Ouais. Oh, ma queen. Ma queen, c'est comme... Mais du camel, c'est quand ça commence que tu parles, mon père. Oh. Pardon, Carole, viens ici. Pardon, appelle-moi Carole, s'il te plaît. Et dis, appelle-moi Carole. Le live devient intéressant, du flamais. C'est Carole qui s'appelle encore. C'est Michel ou bien c'est Carole, Edith. Pardon, Carole, envoie ton invitation. Ouais, du flamais, il a dû avoir. Peut-être qu'il a eu la veste en direct. Hein. Peut-être qu'il a eu la veste en direct. Hein. On n'a même okay. Pas vu quand il est parti. Hein. Il n'a même pas vu. Wow. Tu quand même, pardon, envoie l'invitation. Ouais, il a mal. Dis que. Cherche-le ici. Attends, je vais le chercher ici. Guylaine, mais du quand même, tu as venu par force. Merde. Dis que, il va venir sortir. Pardon, cherche-moi Michou. Ben, attends, cherche-moi Michou. Michou, pardon, connecte-toi. Pardon, viens, on lave. Michou, pardon, viens, si on lave. On lave du quand même. C'est très important. D'avoir ce qu'on appelle les relations. Je vous ai toujours dit, Guylaine, je peux faire même, bon, j'ai jamais fait, le plus long que je peux faire, peut-être 4 mois, je n'appelle pas Guylaine, mais quand je prends mon téléphone, Guylaine sait que Amère, Kamère, pour rien au monde, elle sait ça qu'Amère, vous parlez même de quoi? Quand Guylaine était en Europe, j'ai gardé les clés de sa maison pendant 4-5 mois. J'en faisais le mais elle faisait tout ce que je veux. Vous parlez même de causes. C'est-à-dire que parlons peu, parlons bien. Il y a les gens qui ont les relations jamais amères. La relation que j'ai avec Guylaine, c'est le béton. Béton armé. Tu as vu comment elle a dit à Oshiga, non. Je veux bien t'aider, mais je ne veux pas qu'on t'aide. Après, tu pars. Elle dit que non, maman, elle reste. Tu n'as pas dit que chérie, tu m'as lancé le pot. Donc, ils sont allés déjà à Guylaine avant que moi, elle mangeait que le poids. Tu as vu, non. J'ai pris balle perdue comme ça dès l'ouverture de la ligne. Et tu dis, il faut dire que je fais même le cul dans le fil dental.
Ouais, Kéré. Ouais, du Kamé est parti. Il ne sait pas que ça le fait mal comme ça. Comment il peut fuir comme ça? C'est pas sérieux, du Kamé. Respecte ton. Tu es quand même le président des blogueurs. Du Kamé, respecte ton rang. Ça, le gars, l'a vraiment fui. Vraiment. Ça lui a fait mal. Hein. Moi, tu peux nous couper le live comme ça. Du Kamé, pardon, reviens. Reviens, on va plus faire fort. On va plus t'affecter. Je vais t'appeler même en disant que je vais t'appeler seulement. Tu ne vas pas fuir ici aujourd'hui. Je vais t'appeler même sur toi. Je vais t'appeler même sur toi. Waouh, c'est pas cool. Oh. Eh, mon amour, Guylaine, quand tu parles. DKM, DKM. Tu vas seulement sauf que décrocher. Ok. Du Kamé, décroche. Richard, il t'a appelé. Décroche. Ça sonne occupé. Ouais, ouais. Voilà, ouais. C'est quoi? Tu fuis pourquoi? Bonjour, le match. Laisse ça. Laisse ça, je l'en viens ici. Tu voulais voir quel match? Tu attendais seulement que tu pouvais le match. Il sait qu'on t'a fait mal. J'arrive. Il sait qu'on t'a fait mal. Ouais, Asia. Asia. Non, on n'était pas là, non, on était dans Guylaine, ouais, on était dans Guylaine. Pourquoi tu as mal comme ça? Pourquoi tu as mal comme ça là? Ouais, Asia, je ne voulais pas taper fort sur toi. C'est toi qui as voulu ça. Regarde le riz de la honte, le riz de la honte. Le riz de... Eh, ben, déjà. Ça, il a pris, il a choqué. Massa. Parce que beaucoup de personnes... Tu vois, tu vous dis quelque chose. Tilly William Decker. Maman, elle a honte de ça. Je vais te dire quelque chose. Moi, je ne suis pas un garçon. Je connais garder les relations. Si j'ai un don, c'est garder les relations. Vous avez compris. Si Modestine ne sortait pas pour m'attaquer. Les gens parlent que Modestine. On dit que mère quand même affiche les gars. Je n'ai jamais affiché une fille. Jamais. C'est Modestine qui est sortie me dire que Amer Kamer, maintenant je suis là. C'est Modestine qui est sortie me dire que Amer Kamer, maintenant je suis là. Je vais te montrer que c'est parce qu'il était laissé. C'est elle qui est venue me suivre. Et je n'ai même rien fait. Je ne m'en dis pas ça avec ta malchance. Je ne m'en dis pas ça avec ta. Parce que quand moi, Amer Kamer, quand je couche avec une femme, quand j'ai une relation privée ou intime avec une femme, je te mets à un niveau où. Je ne vais jamais te répondre. Il y a un gars que vous m'avez jamais entendu, vous m'avez entendu répondre à un clashé chez là. Jamais. Et je n'ai jamais répondu à Modestine. C'est seulement que le bruit qu'on fait dans les réseaux sociaux. Ma part, ça. Montre-moi une photo ou une page où Hermès Kamé a dit que, oh, Modestine, voilà. Non, parce que ça ne ressemble pas. J'ai le don de garder les relations. Pourquoi ce qu'on fait du Kamé, les abeilles ne me font pas ça? Pourquoi ce qu'on fait du Kamé, les abeilles ne me font pas ça? Parce que les gars, les abeilles savent qu'Amer Kamé, c'est un gars loyal. On sait que du Kamé, c'est un vendu. Qui ne sait pas ce que du Kamé, c'est un vendu? Tout le monde sait que du Kamé, c'est un vendu. Là, il a dit qu'il était chanteur, non? Je suis même sûr qu'il est jaloux d'Oshiga. Celui, actuellement, le son d'Oshiga passe sur Vision 4. Donc, si vous voyez ça sur Vision 4, faites la capture d'écran, vous envoyez la personne qui fait la capture d'écran. Gagne quelque chose d'important. Il faut qu'on trouve un cadeau. L'OM, non. Ils ont encore besoin de... Voilà. Un OM de 10 000 francs. Donc, celui qui fait la capture d'écran du son d'Oshiga qui passe sur Vision 4, la personne gagne. Je sais que Guylaine va beaucoup. J'avais complètement oublié. Merci du caméra. Sa bêtise là, quand même. C'est ce que j'ai fait. Comme, c'est-à-dire que c'est dans la bêtise de du caméra. Je suis dans le cerveau de du caméra. Il faut me dire, attends. Et je mange dans son ignorance. Il faut savoir manger dans l'ignorance des gens, c'est très important. Donc, les gens doivent apprendre à garder les relations. Posez-vous une question. Je suis le seul blogueur qui est allé chez Flore, chez Compressor, chez L'Étoile Très Bien, chez Natacha de Monaco, chez le grand frère Messenger. C'est juste une question d'emploi du temps, mais chez le grand frère Messenger, parce que là, c'est un petit souci. Je suis le seul blogueur qui entre partout. Pourquoi? C'est moi. Non, toi, c'est toi. On peut pas dire que ça entre chez toi. J'étais dingue chez toi. Mmh.
Ah, non, j'ai dit que les autres sont partis chez eux, mais toi, je ne suis pas parti chez toi. J'étais dans chez toi. J'étais dans le bruit. Vous allez regarder. Et je vais encore vous dire, posez-vous une question. C'est bizarre, Kamer. Amer, Kamer s'entend avec Calibré. Max. Anango. Nyat. Nyat. Kamwa la Panthère. Wanto. Je m'entends avec tout le monde. Mais posez-vous une question, que pourquoi ce gars qui s'entend avec tout le monde, il passe partout. Quand les gars de la basse me croisent quelque part, c'est la fête. Oh, Amé, 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 mon gars, tu es fort. On est dans les... Si on te dit que les gars, si, Nyat ne nous a pas dit ça. Parce que même quand je discute avec Kamwa, ou bien quand je discute avec Nyat, on sent que le gars a quelque chose de particulier. Ce gars est loyal. Des gars comme Amé, Kamé sont rares sur la toile. Il dit que rares sur la toile. Parce que je ne suis pas en balance. Quand j'ai, je dis que je n'ai pas. Je dis que j'ai. Quand je n'ai pas, je dis que je n'ai pas. Quand je peux aider, je dis que j'ai. Quand je suis quelque chose, je suis que je suis quelque chose. Les gens ont voulu monter au départ. Les gens ont voulu qu'il y ait un clash entre Renker et Edith. Ça n'a pas marché. Les gens ont voulu qu'il y ait un clash entre Edith et Oshiga. Ça n'a pas marché. Parce que moi, mes amis, je suis comme le sucre, on me verse quelque part, tout le monde est content. Hier, l'effet Amer Kamer a fait que Oshiga aujourd'hui est... L'étoile. Et l'étoile chrébienne se sont réconciliés. Oshiga et Renker se sont réconciliés. C'est l'effet Amer Kamer. Et elle a aussi donné une... Toi aussi, tu as quand même... Non, moi, je n'ai rien fait. Non, tu as ce matin, c'est tout. Tu regardes... Bon, il permet... Attends. Pourquoi tu hésites? Je ne sais pas si c'est le don pépé. Je ne sais pas si c'est le don pépé qu'on connaît. C'est lui. Ça peut être que lui. Ok. Si ce n'est pas lui, tu le Shiba, non? Ok. Mais le live ne veut pas de toi. Donc, Pépé, ressort, tu entres encore. Tu n'as pas la caméra. Donc, c'est très important de pouvoir, comme blogueur, puisse travailler ses relations. Regardez comment on est ici aujourd'hui. Ce que je vous ai, ce que Oshiga voulait vous dire aujourd'hui, c'est que ce que nous faisons, c'est de la distraction. C'est du divertissement. Ouais, du divertissement. Enfin, je ne sais pas ce que tu voulais dire. Non, oui, c'est ce que tu voulais. Ce que nous faisons, c'est du divertissement. Ça veut dire que nous, notre job, c'est de vous divertir. C'est ça. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vous divertir, il faut avoir un don. C'est comme je suis très con, non? Je suis con jusqu'à le feu sort. Quand quelqu'un me regarde comme ça, il reste d'abord comme ça. Il sait qu'à un moment donné, il va rire. Quand quelqu'un me regarde d'abord au Shiga, il sait que le rire au Shiga déclenche le rire. D'abord, notre couple, d'abord, c'est un couple d'abord productif. Que ce soit en divertissement, que ce soit en apport humain, que ce soit en fusion. On peut dire ça aussi. Parce que Nyasman, normalement, tu m'économises quand même, parce que tant que père chez les Wakalawa, c'est ça que... Voilà. Mm-hmm. Elle, c'est un Wakaka, un seul client, c'est moi. Et tu m'appelles les autres Wakaka, c'est que tu as flop les clients. Les autres ont flop les clients. Toi, tu as seulement un seul client. C'est ça, non? Ce que nous faisons, c'est du divertissement. J'ai dit, il faut qu'on coupe le courant là-bas. Et Néo. Je suis comme Moustique vient de la réveiller là avec une piqûre. Donc, je dis dans ceci, ce que nous faisons, c'est du divertissement. C'est beaucoup de divertissement. Pour vous divertir, nous payons nos téléphones. C'est un don. C'est un don. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde d'être créatif. Regarde quand on fait une série, par exemple, on vous demande de partager. On vous demande de partager tout simplement parce qu'on a vu que vous avez liké 3000 fois et vous avez partagé 10 fois. Il faut être mauvais. D'apprécier quelque chose et de ne pas partager. Mais notre force, c'est parce que vous nous regardez. C'est parce que nous avons remplacé la télé. Nous avons
ont remplacé les chaînes câblées. Quand quelqu'un ouvre ça, il sait qu'Amé Kamé va parler de Renke, Amé Kamé va parler de Shiga, Amé Kamé va parler de l'étoile cubaine, Amé Kamé va parler de X. C'est du divertissement. Donnez-nous la force. Donnez-nous la force. Ça me coûte pas de lui faire bisous sur la bouche. Ça ne me coûte rien du tout. Mais si on vous dit qu'il faut qu'il y ait 10 000 étoiles, c'est aussi une manière que vous participez à ce que nous faisons. C'est que vous participez à ce que... Quand on a dit que non, oui, Amer Kamer, je lui ai envoyé des étoiles en 2022, en 2023. Vous êtes comme nous. Vos Brad Pitt là-bas. Vous, c'est nos blancs. Nous, on est vos Brad Pitt. Et ils ont là-bas, les blancs, ils ont pourri là-bas. Mais notre Congo, ça a plus le goût. Quand tu regardes le Congo, ça d'Amer Kamer de Shiga, tu es content de regarder ça que de regarder Voici. Grâce à nous, beaucoup de gens ne payent plus les Voici, les Paris Match et tout. Parce que quand tu ouvres ton internet, tu vas voir Flore de Lille, tu vas voir Lolo, tu vas voir Compresso. Enfin, ça, c'est du divertissement. Donnez-nous la force de le faire. Elle a fait, tu es là depuis quand? Vendredi. On a fait 25 épisodes, 25, pour vous faire plaisir. On a mis de côté. Prenez en considération que nous faisons avec les moyens de bord. Je n'ai pas fait d'école de cinéma. Elle n'a pas fait d'école de cinéma ou bien d'école de metteur en scène ou bien d'école de ceci, cela. Elle n'a pas fait ça non plus. C'est-à-dire que nous faisons avec ce que nous savons parce que nous connaissons la culture africaine. Donc, on arrive, on monte un scénario, on le fait. Elle m'a dit, Amer, tu es trop marrant. Tu es marrant. Je veux faire un jeu avec toi. Je vais écrire des trucs avec toi parce que tu es marrant. Mais elle a regardé tout le monde. Elle pouvait prendre du caméra pour le faire. Elle pouvait prendre quelqu'un d'autre. Mais elle a dit, non, ce gars-là, c'est lui qu'il me faut. Mais quand vous dites que le couple d'Amer Kamer va finir, mais dites que bon, Amer, je mise 2000 que je suis que son couple va voler. Tu me mets de l'argent comme ça, on voit vraiment si tu as raison ou pas. Voilà. Donnez-nous la force de vous faire marrer tout le temps. Il est 21h, il y a 200 personnes en train de nous regarder. Presque 300 personnes en train de nous regarder. On fait de la comédie devant vous, de la réalité. Parce que... Avec les Kim Kardashian, la famille Kardashian, ils sont devenus riches. Pourquoi? À se filmer, à ne rien foutre, vous les regardiez se maquiller, tout était monté et vous leur avez donné la force. Aujourd'hui, c'est la famille la plus puissante des États-Unis. Voilà. Donnez-nous aussi cette force. Elle ne crée rien du tout. Amer Kamer, vous êtes, quand on parlait du docteur, c'est vous qui avez insulté. Maman, chérie, on ne t'insulte pas. Ils ont insulté le docteur, comme toi. Demandez-vous, on te dit. Ils ont lavé le docteur dans les réseaux sociaux, c'était jamais vu. Toi, ne t'insulte pas. Quand ils ouvraient, oh bordel, waka, allez prendre les anciennes photos de docteur, venir sortir. Mais c'était la magie. Ils ne font rien avec toi. Les sorciers que tu vois là, ils ne font rien avec toi. Donc, c'est très important de nous donner cette force-là. On va finir la première saison en 3 mois. Et quand on va recommencer maintenant, ça sera avec du matériel pro. Là, on va faire venir vraiment un bon caméraman, on va faire venir un bon metteur en scène. Donc, et voilà, comment mettre en scène, c'est la même chose ou bien? Non, c'est pas la même chose. Ou un bon caméraman. Le caméraman, c'est le caméraman, le metteur en scène, c'est le metteur en scène. Voilà, un caméraman qui fait les deux. Le metteur en scène, ça peut être le réalisateur. Le réalisateur ne filme pas forcément. Mm-hmm. Donc, voyez un peu. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on veut aussi montrer qu'on sait faire autre chose à part distiller la haine dans les réseaux sociaux. Apparemment, on distille de l'amour. Donc, quand on pose une vidéo, même moi, pour que ça aille beaucoup plus de vidéos, je préfère ne pas poster sur mon mur, mais partager pour vous donner aussi la force de partager. Je partage sur mes deux murs. Je ne poste même pas sur mes deux. Si moi déjà, je partage sur mes deux, mais pour lui donner de la force, faites-le aussi. Abonnez-vous massivement à sa page. Elle a 58 000 abonnés. C'est pas normal. Abonnez-vous massivement à sa page. Proposez sa page. Vous voulez qu'on prenne de la force? Prenons de la force ensemble. C'est très important. C'est très, très, très important ce que je suis en train de vous dire. À un moment, on rigole. À un moment donné, on donne des conseils et après, on est sérieux. C'est très important.
vous donne pas d'ordre. On veut que vous soyez conscient que ce que vous prenez comme des conneries, les Américains se font de l'argent avec. Ne nous privez pas aussi de nous faire de l'argent avec. Ne nous privez pas. Toutes mes pages sont bloquées depuis 2 mois. Depuis 2 mois, et ça sera encore bloqué pendant 3 mois. Ça veut dire que pendant 5 mois, je tourne à 0 euro. Mais malgré le fait que je tourne à 0 euro, ça ne m'empêche pas de faire des lives là-dessus. Parce qu'au-delà de la rémunération, c'est un plaisir de discuter avec vous. C'est un plaisir de partager votre quotidien. Parce que si ma mère savait un jour que le Congo ça allait payer, c'est qu'elle ne partait pas à l'école. Hein. C'est ça qu'elle ne partait pas à l'école. Ben oui. Donc voilà, c'est très important. Ce n'est pas une note qu'on vous donne, mais on demande votre participation pour qu'on monte encore le plus haut possible. Ne nous jugez pas comme si on était des acteurs de cinéma, non. On vous décrit le quotidien de la diaspora. Vous avez remarqué que dans l'audio, on ne met que les noms de nos personnes. C'est Coco, c'est Patricia, c'est Flore, c'est Étoile Crébienne, c'est Aïcha, c'est Laure Kamini. C'est tout notre quotidien dans la diaspora que nous mettons dedans. Pour qu'on puisse se reconnaître. Et vous allez remarquer que chaque fois qu'on a fait quelque chose, on a fait l'histoire des serviettes. On a partagé. Elle a posé sur son mur, on a partagé. Mais quand tu regardes l'histoire des serviettes, tu te dis, mais attends, tout le monde a fait ça au moment de chérie, t'as pas géré. Attends, on va même voir ce que ça a donné sur ça. Et vous allez, on va voir ça ensemble. C'est pas terrible. Ça, comme tu as combien de... Attends, on va regarder ce que ça a donné. Je vais sur mon mur. Ok, on n'a pas besoin. Voilà, tac. Voilà, regardez un peu. Je vais vous démontrer quelque chose. Regardez un peu. Je vais vous montrer quelque chose de simple. Voilà, vous voyez? Voilà la vidéo ici. Vous voyez, il y a 100 personnes ont liké, ils apprécient. Mais regardez le nombre de partages en bas. Regardez le nombre de partages ici. Le nombre de partages, 56 partages. Ils ne voient pas. Okay. Regardez, 56 partages. Il y a eu 5000 vues. Normalement, quand tu vois, il faut liker. Normalement, s'il y a 5000 vues, il doit au moins avoir 2500 likes. Au moins 2500 likes. Et pourtant, c'est quelque chose que l'épisode, c'était les serviettes. Je ne l'ai fait pas, je l'ai fait montrer. Non, sinon, ils vont pas aller regarder. L'épisode, c'était les serviettes. Voyez un peu. C'est notre quotidien dans la diaspora. Voilà. C'est notre quotidien dans la diaspora. Ouais, un petit peu. Mais voilà. On laisse ça pas. Donc, voyez un peu ce que je voulais dire. Donc, deux fois, apprenez à donner la force. Vous allez sur la page d'Oshiga, vous cliquez, vous partagez. Au moins, vous aurez participé à quelque chose. Et comme ça, quand vous avez encore le temps, vous allez sur YouTube, vous partagez encore. Vous likez et c'est... Donc, c'est la même commande. Tiens, j'envoie l'invitation. C'est comment, non, Titara? C'est l'amour chez nous maintenant. Man, c'est comment, je viens de voir une nouvelle série là. On te demande que Flore de c'est qui pour toi? Tu dis qui derrière les problèmes? Explique-nous bien parce qu'on n'a pas bien compris comment tu dis que qui derrière les problèmes. On te pose la question pour Flore de c'est qui pour toi? Tu dis qui derrière les problèmes? Chacun, chacun. Je sens que tu dois combattre le couple là. Tu dis que tu as fait l'erreur de ta vie d'aller t'arrêter à Bafang.
Tu aurais dû patrouiller l'Ouest, aller à Fumban, aller à Bambouato, aller à Banganté, aller partout. Mais l'erreur de ta vie, c'est que tu t'es arrêté dans un village où personne n'a un mec 80. Où toutes les filles qui viennent là-bas, on aime les problèmes. Et leur spécialité, c'est de briser les cœurs. Donc, nous, on allait chanter ton Fali. Ta chanson est déjà offerte. Que la chanson de Fali, là. Les pleurs. Et quand on va te malaxer, c'est là que je vais intervenir. Massa. L'artiste, bonsoir. Mes respects, madame Amel Kamer. Mes respects. Je coopère. Il faut dire à ton marabout qu'il est puissant. Tu as réfléchi que les gens vont échouer. Mon marabout, c'est Laura Kameni. Elle avait pété la mort d'Amerika de ton mari. Hein. Elle avait dit qu'il va mourir bientôt. Oui, non, Kameni, c'est Bafa. C'est ça, non. Elle n'est même pas encore au courant de ton histoire. Attends qu'elle va te prendre ces jours-ci. Ouais. Attends qu'elle va te prendre. Elle va faire la vraie vision sur toi le jour-ci. Tu es le seul bonbon. Tu es le seul bonbon qu'on a donné le Toba si ça a pris. Je vois là sur toi, Amerika. Le seul bonbon qu'on a donné le Toba si ça a pris. Avec les écorces que tu as chez toi. Comment tu t'es déplacé? Tu n'as même pas pu deux bouteilles, tu as mis dans la voiture par au cas où. Il te dit que la petite gasse, tu fais, elle fait les choses. Hein. Tu as cloné. Michel Chou, envoie l'invitation. Je t'avais dit à deux comme moi là, les filles baffant, c'est les filles qu'il ne faut pas chercher. Les filles baffant, elles partent avec l'AVC. Mais tu n'étais pas au pays, moi là. Tu n'as pas suivi l'histoire d'une fille baffant à Yaoundé Wadou. Les filles baffant. La fille qui s'est fait le pied, elle est arrivée ici, elle m'a dit que papa, maman, Léopold, moi, j'ai fini. Et mon frère, j'ai pleuré, papa est venu. Je comprends pourquoi elle insistait beaucoup. Elle insistait beaucoup comme ça, là. Ah, mais quand même, j'ai payé le pied, la fille, ma femme, elle va à l'aéroport, moi, j'ai fini. Je ne vais pas récupérer le pied, la fille. Elle va laisser qu'à l'aéroport. Elle va à l'aéroport. Je vois la lumière, tu me dis que, oh, pardon. Et tu excuse ma vie. Je suis arrivé où je parle, partez. Mais ne parle pas, parle pas. C'est toi. Comment ça va, non, cours, bon, c'est toi. Bonjour, mon papou. Bonjour. Bonjour, c'est comment, non? Allô. Ça va, et toi? Retourne, retourne. Baisse un peu de l'autre ton côté là-bas. C'est de mon côté. Tu fais vous aussi, on fait des lives avec Noah, à mec à mec. Non, c'est quelqu'un, c'est ma personne, c'est quelqu'un que je connais. Ah, ok. Tu connais avec ton ami, tu es avec ton ami du Camer qui était ici. Hey, du la jalousie, ça fait longtemps. La jalousie veut tuer le gars là. Ouais, donc j'ai raté du Camer. Ouais, il n'est pas toujours en couple, il avait décidé d'aimer les blancs, non? Les blancs ont laissé en route. Il avait dit que les Camerounais dans les mots de tête, elles versent l'eau aux gens, elles brisent les cœurs, ils partent chez les blancs. La vérité, c'est que quand tu sois un gars comme du Camer, c'est comme si tu sois le gris-gris. Quand on ne le coche pas, tu dis que j'étais dans le live. Il a des chiffres sont moins chers. Il va dire que j'ai dit que pardon. Je l'ai toi, raté. Ton ami pasteur que tu t'es marié. Je l'ai raté, j'avais deux mois, lui dit. Je l'ai raté, c'est dommage. Oh, mais je vais quand même dire, viens pas écouter, il est même en faux profil, là. Je vois son faux profil se balader, là, il est là. Du Camer, j'ai dit que tu n'es rien. Tu as annoncé à ton pasteur que tu t'es marié. Non, je ne sais pas, je n'ai pas encore dit que tu es marié. Dis donc que c'était marié, qu'il fasse la vision sur toi, parce que vraiment le mariage que tu as choisi là, mon ami, il n'est jamais été publiquement contre un de tes mariages. Mais celui-ci, je te dis, mon frère, tu t'es trompé. Le couple de la gloire glorieuse. Papa, regarde comment la bête. Regarde comment la bête est. Tu aurais pu aller partout, mais quand même. Tu peux encore retourner à Tchang, pas de problème. Tu peux aller à Bamenda, c'est les soumises. Tu peux aller à Bafoussam, même si on te trompe, tu restes dedans, il y a l'amour. À Banganté, même si elle est wakati avec, elle va quand même t'aimer. Mais Bafa, mon frère, Bafa, tu as vu quel Bafa qui est épousé, Bafa? C'est le Bafa de l'Ouest. C'était proche.
propre blessure que tu viens étaler ici. Toi-même, tu es une Bafang. Tu as vu quel Bassa qui a épousé une Bafang. Les Bafang, on les appelle les Bassa de l'Ouest. Donne-moi un seul exemple que tu connais. Personne. Mais il peut être le, il peut, il est le premier, non? Il y a toujours un début à tout. Il y a toujours un début à tout. Les AVC permanent au Cameroun. Quand on dit AVC d'amour, c'est Bafang. Les filles Bafang sont... AVC d'amour, les Bafang. Regarde, comment l'enfant est, regarde comment l'enfant est bio. Ah, regarde ça, comment l'enfant Nando. Est belle. Nando. Donc c'est toi, Rose. C'est moi. Yandom. Je vais te prendre. Yandom, Je suis pas fan de votre couple. Dans les J'ai un 5 ans, il me répond jamais. Parce qu'il n'y a pas 200 000 abonnés. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que. Tu marqué Marquise des Roses. Mais quand même, occupé, moi, je suis encore libre. Tu payes bien. Hein? C'est la rose du 237. On a bloqué. Mais faut c'est la rose africaine. Mais il faut venir avec ton nom quand tu connais la rose 237. Donc, quand tu avais ça, on ne te voit pas. Ah oui, c'est parce qu'elle ne veut pas qu'on sache qu'elle est ici. Non, comment ça? Tout le monde connaît le nouveau, mon nouveau compte ici. Michou, c'est comme ça. Oui. Que je suis ça va, oh, mon papou. Ça va. Il est déjà pas possible. Oui. Regarde, maman. Tu m'en vas là. On n'a plus les clientes ici. Fais monter les filles qui peuvent me mettre aussi, me mettre aussi en couple. Tu mets les vrais ninja pap. Est-ce que moi, il faut encore le ninja pap? Fais monter les filles. Le froid, là, va te tuer seulement. Maman, c'est la télé-réalité, là, votre télé-réalité, là, maman, c'est la télé-réalité de l'œil. J'espère que vous n'avez pas fait comme Chesco le Sultan et Lolo Boté. Non, parce que nous, on fait. Mais pour eux, c'était le buzz, non? Ah, d'accord. Mais okay. C'est quoi le problème? C'est ce que je souhaite. Je veux que la coupe se sépare. Est-ce qu'ils veulent la coupe? Ce n'est pas bien, mon. Pourquoi tu fais mais ça? Pourquoi vous ils sont bien ensemble. Les gens dans le noir. Pourquoi vous n'aimez pas combattre les gens en public, face-to-face? La nouvelle technologie. Non. Aussi, c'est que tu dois combattre ton affaire. Tu vois, aussi la combattre avec moi. Elle et moi, c'est lui le feu. Elle dit que jusqu'à la gare, on ne sera jamais amis. Donc, je dois la combattre en public. Elle doit connaître que elle sait que de PPC, c'est moi. C'est le roi des méchants. Lui, l'amour a adouci Oshiga. Oshiga est devenu douce. Maman, en temps normal, hein. Oshiga, quand tu entends ça, tu mets son main, elle te ramasse. Hey! Mais il en sait quelque chose. What? Non, c'est un blessé, le gars, où il est là. Hey! Tu vois qui combat pour quoi? Tu vois l'élève de Mathieu Laïti aussi sur Facebook. Tu vois qui combat pour quoi? C'est un blessé, le gars, où il est là. Non, essaie-toi comme ça, Chiga. Tu es bien comme ça dans l'amour. Quelle qualité d'amour? Moi j'aime. Automatique, elle a donné la main quand même là. À l'épisode 5. Maman, l'inspiration de ça. Bravo, j'aime. Merci. Au moins, vous avez apporté quelque chose de nouveau. Merci. Franchement. Voilà. Mais dis à ton mari de bien répondre aux questions. Quand tu demandes de faire ça se voit que tu es heureuse, ma mère. C'est-à-dire que ton visage a changé deux jours là. Aïe. C'est comme ça, on va seulement te manger avec le bobolo maintenant. Le goût de ça. Moi, je ne reconnais pas Oshiga. Maman. Tu sens que mon papou assure. Il assure. Ton histoire est une encore sentie, mais elle a fait que puissant. Comment tout le monde confirme qu'elle a changé comme ça? Mais ça se voit, non? Ah, tu le vois pas, c'est la même Oshiga que tu connais bon, là. Non. Pardon. On commence à se vendre comme avant. J'ai les nouveaux. La scarabée. La reine des scarabées, mon frère. L'anglais est devenu douce comme le miel. Moi, j'attends le prochain épisode. J'ai partagé le épisode de Serge. Moi, il partage tout vos histoires. Oui, j'ai partagé. On partage, ma mère, ne t'inquiète pas. On partage.
Amen, amen. Non, partagez, s'il vous plaît. La série, elle est belle, c'est joli. C'est quelque chose de nouveau. Je trouve mon rang où on était. J'ai le nouveau site. Pardon. Toi, tu vas embrouiller Amen Kamen. Amen Kamen, même plus un homme célibataire. Il est un homme marié maintenant. Pardon. Vous, les célibataires, là, vous aimez trop venir embrouiller. C'est comme ça que vous trompez les autres. Marié sans argent. Marié sans argent. Les deux sont jeunes, ils vont se faire l'argent. Ils sont jeunes. Donc, oui. Partage là, comment il y a à partager la série? Tu partages la série là. La série là, tu sais que la série là, c'est l'argent. La série là, c'est beaucoup d'argent. Ils sont jeunes. Amen, amen. L'histoire de la télé, c'est l'angle. Le temps qu'on va aller compter un dollar, viens, j'ai le nouveau site. C'est les veuves heureuses qu'il y a là-bas. Tout le monde qui là-bas, c'est les veuves heureuses. Et non, pas de problème. C'est pas bien. Mon papou, profite-toi, Longo. Profite, mon papou, profite. Okay. Avec la période qui a. Bon, Amen, je descends aussi. Je vous souhaite tout le bonheur. Continuez à nous sortir les séries, nous on partage. Pardon, va partager. Nous, on ne veut pas les gens qui les félicitent ici aujourd'hui. On veut les aider. Vive l'amour! Non, vous savez ça. L'amour de quoi? L'automatie? Ici, on veut les aider. Ceux qui ne veulent pas la réussite du couple, montez leur dire, vous êtes contre. Si un gars que Oshima avait barré bisous le cœur, vient de dire la vérité ici. Si elle a fait un mariage quelque part, elle a laissé ses enfants sur le moment de venir parler. Vous allez vous parler, vous allez commenter. Venez le dire en face. C'est comment? Ça sera le côté de la bon, travail. Mais quand Oshima t'a posé la question que c'est qui fait de Nietzsche, tu as d'abord ri. Pourquoi tu as d'abord moi, j'ai calculé les secondes que tu as ri. Pourquoi tu as d'abord ri? Mon frère. Pourquoi tu as dit qui derrière le problème? Et vous m'avez bloqué. J'ai voulu commenter la vidéo là, mon commentaire ne part pas. Je comprends pas pourquoi. On m'a bloqué ici. tu me connais, vous pouvez expliquer. Je voulais commenter. Le commentaire se bloque. Je dis qu'on m'a bloqué. Voilà quelqu'un qui reconnaît. Ouais. J'étais étonnée que malgré mes commentaires, mes propos contradictoires, elle ne m'a jamais bloqué comme les autres blogueurs. Bravo à toi, ma belle. Je te souhaite bien. Merci. Les gens sont toujours en train de dire que je suis comme si je suis comme ça. Non, mais moi, je ne bloque pas. Mais moi, je me bloque. J'ai vu un commentaire sur une de vos vidéos. On dit que tu n'as jamais embrassé en public. Donc, vous vous embrassez parce que c'était la moque de nos gens. Bon, embrassez-vous, les gens. Ouais. Je vais te poser une question. Oui. Réponds-moi sincèrement. Oui. Tu as embrassé ta main un jour? Ma main. Hein? Ma main. Est-ce que tu n'as pas embrassé ta main un jour? Mais tu es là, hein? Ma main. Non, je ne peux pas embrasser ma main. On demande si tu as vu ton pater embrasser ta main. Un jour. Non. Ouh, non, notre génération, c'était impossible. Voilà, mais tu es là. Mais tu es là. Donc vous voulez qu'on te. Si vous êtes mes parents. Vous êtes mes parents. Non, le monde a changé. Vous êtes les parents modernes. Quand on était petits, ça se comprenait parce qu'à notre époque, ça n'existait pas. Maintenant, les parents d'aujourd'hui font des bisous. Bon, ok, faites le bisou. Le bisou solennel. Il y a les gars là qui veulent faire les screenshots. Ils veulent faire les captures des gars. Faites le bisou. Et pareil pour vous, ça sont là. Ça ne nous motive même pas. Tout ce pas. On est dans un live, il y a seulement 300 étoiles. Tara. Ouais. Même pour la. Si Donatrice était amoureuse de toi, ils vont encore donner les cadeaux comment avec Kamel, parce que c'est toi qui cherchais. Tu ne comprends pas quoi. Tu as passé mon marché. Tu ne vois pas ma part de marché. Je pense que tu sais. Les Donatrices, on voulait chez Oshiga parce qu'on voulait être son producteur. Maintenant, elle dit qu'elle est mariée, qui va encore venir la produire. Vous voulez que vous attendiez à quoi? Les gars, je suis venu ici, les Suisses, la fille de la Belgique, là, m'envoie le message que, oh, tu vois ton frère, non? Il t'avait bien dit qu'il n'est pas sérieux. Il dit que, maman, envoie-moi d'abord le chèque que tu dois envoyer, ce mois, je garde. Tu vas aller négocier pour lui. C'est même elle qui m'a dit, viens, là, on me donne 100 euros. Elle qui vient saboter en disant, j'ai travaillé mon argent. Et là, tu fermes les applications, tu ne rapportes plus rien, tu veux que je donne les cadeaux comment? Dis-là que tu es célibataire. Tu vas voir que les donateurs vont sortir maintenant comme le feu seulement pour t'envoyer des cadeaux. Tu as raison. Hein. C'est mon mur qui fait les commentaires ne sortent pas encore. Je ne vois pas. Ma chérie, anyway, vidéo. Anyway, Oshiga, tu n'as pas encore gagné.
Je suis en train de chercher un bon prêt qui va désenvoûter Amer Kamer. C'est quoi ça? Tu fais quoi comme ça? Tu fais quoi comme ça? Pas bon.